Golf Mag est une présentation de Gendron Golf. Faites voyager votre balle et de Visit Tucson. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag, et oui, sous le soleil. D'ailleurs, vous avez été pas mal nombreux à répondre à l'appel pour notre voyage automnal. En fait, plus d'une soixantaine de golfeurs sont du rendez-vous. Et pour cette émission, on va être du côté de l'Arizona à Tucson et on va vous faire découvrir un splendide parcours de Gallery Golf Club, là où Tiger Woods a gagné le tournoi Match Play en 2008. Le club de golf de Gallery propose aux golfeurs 2-18 trous de championnat dans un décor fabuleux. We do have a great group this week with Golf Mag, over 60 golfers from Canada. What kind of experience do you think they will get this week? I think this week, certainly here at the Gallery, will be second to none, but in the entire area. Tucson is kind of a hidden gem as far as golf destinations. And, you know, we have Ventana Canyon, ourselves, Sewelo, Dove Mountain, certainly some great properties that would rival anything in Scottsdale. La vue sur le désert et les montagnes est vraiment à couper le souffle. Et si vous portez une attention particulière en longeant le parcours, vous allez apercevoir des centaines, voire même des milliers de cactus saguaros. Ce qui distingue le parcours nord du parcours sud ici au Gallery, c'est le fait que le nord est situé en plein dans un canyon. Alors, vous avez compris qu'il y a énormément de changements de dénivellation de terrain. Parfois, la cible est située en contrebas, comme ici sur le sixième trou, et parfois, la cible est située plus haut que nous. Alors, c'est à nous, golfeurs, d'apporter nos ajustements nécessaires. Le parcours sud, de son côté, a été le théâtre du championnat du monde Match Play en 2007 et en 2008, remporté alors par le Suédois Henrik Stenson d'abord et par l'Américain Tiger Woods l'année suivante. Pour ce qui est de l'architecte de ce terrain, il s'appelle John Fott. Et ce dernier est un passionné des œuvres de Donald Ross, qui a conçu parmi les plus beaux parcours à travers les États-Unis, notamment le Pinehurst numéro 2 en Caroline du Nord. Et John Fott s'est rendu à cet endroit-là justement pour s'inspirer avant de faire la conception du parcours sud ici. Et pour ce faire, il a obtenu aussi la collaboration de Tom Lehman, l'Américain, qui a notamment remporté l'Omnium britannique en 1996. We had the top 64, like you said, in 2007 and 2008, and certainly the experience of having the best players in the world, for me, working it was fantastic, so much fun. Tucson got behind it 100%. And really the neat thing was we got to see the best players in the world potentially hit some shots that we all hit. Yeah, that's so, right. You know, and it did get to showcase, again, like I've said earlier, it's got to showcase Tucson to a world venue, which it hadn't been able to do before. Tiger Woods, who once won this tournament here, was the number one player in the world. Absolutely. But he had some, I think, difficulties on number four. In number four south, he did have, in 2007, had a little bit of trouble. He hit the ball a little right, and unfortunately, found a little water, which, you know, like I said, it's a shot that we've all hit. He didn't quite win that hole, but 2008 kind of gave him a little bit of validation of the golf course. À la chronique équipement cette semaine, laissez-moi vous présenter la nouvelle série M1 chez TaylorMade. C'est une série qui est disponible autant dans les bâtons hybrides que les bois d'allée et que les bois de départ. Je vais m'attarder surtout au bois numéro 1, au bois de départ. Si vous suivez les activités du PGA Tour, vous êtes à même de constater que déjà Jason Day, Dustin Johnson et Sergio Garcia ont frappé ce bois de départ en fin de saison 2015. Alors, c'est un bâton vraiment intéressant, non seulement au point de vue cosmétique, où on a apporté des modifications, mais au point de vue
technologique. La belle modification qu'on a fait, c'est au niveau de la couronne de la tête. Vous observez ici deux teintes, le blanc et le noir. Bien, le noir, on a changé ça pour de la fibre de carbone. Ça a eu pour effet de réduire le poids de 10 grammes. Donc, pour un bâton de 295 grammes, 10 grammes, c'est quand même important, mais ce n'est pas un 10 grammes que l'on a éliminé, on l'a simplement redistribué. Au point de vue technologique, on a conservé, un peu comme la série précédente, le R15, les deux bagues d'ajustement sous le bâton. D'abord, la bague noire, celle qui fait 20 grammes, qui permet de jouer avec les trajectoires de balles. Selon que vous aimiez frapper une trajectoire gauche-droite ou droite-gauche, un fade ou un draw, vous pouvez jouer avec ça avec la clé. Sinon, vous avez aussi la bague rouge. Et celle-là est vraiment importante parce qu'elle ne fait que 10 grammes, mais elle permet de jouer avec la distribution du poids, c'est-à-dire soit vers l'avant ou l'arrière du bâton. Alors, si vous optez pour déplacer cette bague-là vers l'avant, vous allez réduire le spin, l'effet de rotation sur la balle. Et ça, c'est une façon optimale d'aller chercher plus de distance. En contrepartie, TaylorMade promet une chose. Si vous reculez votre centre de gravité ici, derrière le bâton, oui, vous allez obtenir plus de rotation dans la balle, mais en même temps, vous allez avoir beaucoup plus de contrôle sur celle-ci. La tête est disponible en deux formats, 460cc ou 430cc. Vous aurez compris que le 460cc s'avère le choix le plus populaire. Premièrement, elle est plus permissive. Vous remarquerez également qu'il y a une bague d'ajustement. Le bâton que j'ai entre les mains est prévu à 9,5 degrés. Vous pouvez descendre l'angle jusqu'à 7,5 degrés. Et en contrepartie, vous pouvez augmenter l'angle jusqu'à 11,5 degrés. Il y a trois tiges disponibles stock, donc en magasin, offert par TaylorMade. La Fujikura 60 grammes. On a aussi la Kuro Cage 60 grammes qui est utilisée actuellement par Jason Day. Et il y a enfin la Rogue Silver d'Aldila, qui est l'une des plus achetées par les golfeurs. Mais en somme, la nouvelle série M1, vous allez la remarquer, c'est certain. Essayez-la, je suis convaincu que vous obtiendrez de bonnes sensations, autant avec l'hybride que le bois d'allée, que le bois numéro 1. Mais chose certaine, c'est que c'est un bâton qui, selon moi, sera très populaire sur les parcours de golf au cours des prochains mois. Golf Mag revient tout de suite après ceci. Vous n'avez pas idée comment j'ai hâte de jouer le trou de la semaine cette semaine à Golf Mag parce que j'ai deux invités spéciaux. En fait, pour vous à la maison, ce sont des invités que vous ne connaissez pas, mais moi, c'est mes partenaires de jeu les plus réguliers au cours d'une saison de golf. Je vous présente mon frère Dominique et mon père Yves, avec qui on passe de bons moments sur les parcours de golf. Daniel m'avait dit qu'il venait faire Golf Mag en Arizona. Puis j'en ai parlé à mon père, je disais, ça serait pas fou. Peut-être que si étant donné que c'était avec Voyage en drone, on pourrait faire partie du voyage. Moi, j'aime ça jouer avec mes deux gars quand ils sont ensemble. Là, c'est... Ils essayent de me corriger, mais je suis pas corrigeable. Et c'est la première fois qu'on fait un voyage de golf ensemble et c'est l'Arizona qui nous attend. Alors, c'est extraordinaire. Et comme trou de la semaine, cette semaine, ce sera le trou numéro 4 du parcours sud au Gallery. Et comment vous trouvez ça? C'est très beau, Daniel. C'est beau un peu? Mais j'espère ne pas partir d'ici. Non, je te promets que tu ne partiras pas de ce terre de départ-là parce que, comme sur la majorité des parcours modernes de la région, il y a plusieurs terres de départ pour tous les calibres de golfeurs. Donc, moi, je vais partir d'ici. Mais Dominique et toi, vous allez partir juste un petit peu plus loin, en avant. Mais je vais jouer un peu comme on fait avec les pros habituellement. Je vais vous donner des conseils. Okay. Il n'y a pas de pro aujourd'hui, mais c'est moi qui vais un peu vous guider. Et c'est un trou à normal 4 de 495 verges des jalons arrière. Mais on va jouer ça pour moi, en tout cas, à 460 aujourd'hui. Ça va être amplement long. Mais juste pour vous faire un petit historique, en 2008, les pros sont venus jouer ici. Et Tiger Woods, des terres arrière, l'a envoyé à l'eau. Alors, notre défi à tous et chacun aujourd'hui, ce sera justement de faire mieux que Tiger. On va essayer de faire mieux. C'est pas pire, hein? On va essayer de faire Alors, c'est un trou vraiment intéressant qui a zéro caractéristique d'un trou de l'Arizona, à part peut-être le côté désertique au loin, là, mais il y a de l'eau. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'arbres. Alors, tu sais, on n'est pas trop dépaysé, hein? Non, du tout. C'est très beau. Alors, c'est génial. Alors, bien, comme je pars le plus loin, je vais partir premier. Ah oui. Ça vous va? C'est beau. Puis après ça, bien, je vais aller vous montrer où vous partez.
Ici, Daniel, c'est quoi ta cible? Ah, c'est une bonne question, papa, parce que ici, sur ce trou numéro 4-là, on a plein d'options pour se retrouver une cible. Il y a les montagnes au loin qui sont majestueuses. Il y a bien sûr le vert qui est visible, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur obstacle parce qu'on doit franchir le plus grand espace d'eau à cet endroit-là. Moi, personnellement, là, j'irais plus vers les fosses de sable au loin sur la gauche. Évidemment, c'est à plus court terme que les montagnes, mais moi, ça m'apparaît très bien et ça m'apparaît paraît atteignable comme cible, alors je vais essayer ça. Alors, fosse à gauche, point de repère à court terme. Et c'est parti. Oh, ça semble être un très beau coup, Daniel. Ah, ça va l'être, ça va l'être. Oh, bienvenue, nous autres, on va aller à vos départs maintenant. Okay. C'est-tu pas beau, ce trou-là? C'est magnifique, vraiment, hein, là. C'est extraordinaire. Oui. C'est différent du point de vue de tantôt, on s'entend? Oui, totalement. Mais ça demeure une très belle Normale 4. Pour vous, Dom et Pat, ça va être 350 verges, cette Normale 4-là. Puis, Dom, je te demanderais comme ça, là, rapidement, ça serait quoi ta cible ici, personnellement? Moi, ça serait le deux cactus, là, les grands là-bas, celui de droite, là. Oui. Ça donné que je suis gaucher, puis ma balle a peut-être tendance à aller par là, ça va être parfait pour moi. Ben, je pense que c'est un bon choix. De toute façon, tu vois comment l'allée est verdoyante, large. Alors, Dom, fais ta routine habituelle, puis mets ça en jeu. Solide, Dom. Merci. Hey, t'as déjà fait de la télé, hein, toi? Ah non, tu travailles en télé. Ouais, tu travailles en télé. Good shot. Sir, Dom. Tape là-dedans. Content? Ben oui, bon dominé. Hey, bon dominé. Pas de pression. Moi, je t'ai inspiré, j'espère. Oui. J'espère que Dom t'a inspiré aussi. Beaucoup, beaucoup. Il m'avait inspiré, c'est effrayant. On adore ça. Moi, je joue au golf depuis l'âge de 20 ans, à peu près. Puis j'ai arrêté un peu quand les enfants sont venus au monde. Puis j'ai recommencé quand Daniel a commencé à jouer au golf. Dom, tu dis une super belle cible, les deux cactus derrière la fosse de sable là-bas. Oui. Tu peux prendre la même de toute façon. Moi, c'est ça, je vais prendre aussi. Je m'aligne vers là. Je suis gaucher comme Dominique. Prends une bonne grande respiration. T'es juste à Golf Mag. Ah, je le sais. Il y a juste des centaines de milliers de téléspectateurs qui te regardent. Alors mets ça dans l'allée. OK. Yeah! Wow! Hey! Solide! Le tir volé, toi! Ça, c'est bon signe! Ça, c'est bon signe! Venez-nous, on va aller voir nos balles. Beaucoup. J'ai des bonnes drives. Depuis quelques années, c'est mes coups d'approche qui sont bons. À date, je joue la game que je joue normalement au Québec. Il me reste, sais-tu combien? Non. 186 verges. Wow! Je suis parti à 460, il m'en reste 186. J'ai fait un bon bout de chemin, mais il m'en reste. Il m'en reste. Ouais, je suis bien content, mais écoute, avec une situation qui se présente, là, un vent défavorable encore, un petit peu, ça m'apparaît un peu en montant. Le fagnon a de l'air en avant, par contre. Ah, un fer 5. Je vais prendre un fer 5, je vais essayer de mettre ça proche. Beaucoup, Daniel. Ah, va être du bon bord. Est-ce que c'est assez long? Beaucoup. OK, on va aller voir ça. Viens-t'en. On va aller à la tienne. Belle shot, hein? Oui. Très beau coup que tu as frappé là. Je vais te donner, la distance? Ouais, avec plaisir. Je te donne ça immédiatement. Il te reste 152 verges. Et le vent? Un petit peu défavorable. Fait que je te dirais, là, regarde, le verre est super large à droite. Une belle cible entre les deux bunkers. Qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre mon hybride. Hybride quoi? Mon hybride 4. Daniel a commencé à jouer au golf. On le voyait qu'il y avait ça. Il se pratiquait dans le parc à côté de chez nous. Puis d'ailleurs, c'est un de mes chums qui avait. Il me disait, pourquoi tu n'achètes pas des bâtons? Puis moi, j'étais gaucher. Donc, il a pris ses bâtons, il a coupé, puis il les a donnés à Daniel. Puis c'est avec ça. Puis il se faisait des trous dans le parc. Puis c'est comme ça qu'il est devenu bon golfeur. Moi, une bonne routine, puis un bon coup. Oui. Puis mets ça proche. Ça va être bon. Oh, oui! C'est un beau. Ben oui. Ah, oui, don't you? Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui.
facile, le golf. Good shot. Pas. Je suis content. Bon, c'est bon. J'aime ça. T'as bien frappé, hein? Oui, très bien. Oh, mais pas Dom en a frappé une sincère. Ah, oui, oui. Il est assez loin. Solide, wow, Dom, toute une claque. Oui. Ma meilleure de la journée, je pense. De loin, je vais te donner ta distance. Merci. Il te reste... Hey, tu vas avoir une entrée sur 115 verges, 120. T'as 112 verges au fagnon. Good show. Dom, était à pin. Be good. Good shot. Yes, yes. Oui, monsieur. Ils savent jouer au golf, mon frère, mon père. On a pris du meilleur. Mais une belle dispersion de balles. On est pas mal tous aux mêmes distances. Oui, Dom, tu es pas mal le plus proche. Tu veux aller au fagnon, s'il te plaît? Oui. Oh! Je pense que, Pat, tu vas être le plus loin. Oui, oui. Je vais avoir un gros pot à faire, Daniel. Ben écoute, on est un peu dans la vallée. Moi, je me fierai aux montagnes derrière. Ça, ton pot devrait descendre légèrement, d'après moi. Comment tu vois ça? Eh, mon Dieu, je vois ça loin, Daniel. Je vois ça très, très loin. OK. Fais-nous un beau pot, là. Je vais essayer ça. Ouais, non, frappe dans le trou. Oh! Un bon roulé de pas, ça. Merci. Juste un petit peu long, là. Tu vas avoir un petit tester pour la normale, mais c'est un bon roulé. Bon, à mon tour maintenant. Ça devrait monter un petit peu, mais c'est pas un roulé qui devrait bouger énormément, là, tout au plus à droite-gauche. Bon. Écoutez bien le son. Oh. Wow! Beau, Daniel. Il dit que ça passerait proche, ça n'a pas beaucoup bougé. C'est beau, Daniel. Bon, moi, je fais mon par. Terminé. Facile. Bon. C'est beau. Le 4 est inscrit. Dom, je veux que tu fasses 3. Mets ça dedans. Mon frère est super bon dans le potting. Là, ça ne m'étonnerait pas du tout là, qu'il saxe au fond de la calice. Oh, oui, donc. Oh, oui, donc. Oh, oui, donc. Dom! Come on! Là, tu l'avais bien lu. 2-4. 2-4 de fait. 2-4. Pas la pression repose sur tes épaules. Tu m'avais mis une grosse pression sur les épaules. Allez, mets ça dedans. T'as mon tour. Tu as besoin d'une petite lecture? Oui. On va te donner un coup de main, Dom. On va prendre ça. On va aller ça de l'autre bord. OK. Fait que ta ligne, là, c'est centre droit. Oui. T'en sors pas? Non, il faut pas que je sorte de là. C'est à peine en montant. Je vais essayer ça. Mets ça dedans. Yeah! Le par! Vous m'avez fait chaud. Puis, comment vous aimez votre expérience? Moi, j'ai bien aimé ça. C'est le fun? Oui. Puis là, avec un beau coucher, là, c'est un beau coucher de soleil. Magic Hour? Magic Hour. C'est très, très beau. Bon. Avec la montagne en arrière, là. Oui, c'est très beau. Génial. Merci, Pam. Merci, Dom. Ça fait plaisir. Merci, Dame puis Dom. T'étais le meilleur enseignant. T'étais le plus patient. Puis ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il a déjà été mon cadet dans plusieurs compétitions. Ah oui, c'est vrai. Puis il fait des birds, puis des fois, il s'en rend même pas compte. Je dis pas, c'est un bird, hein? Je dis oui, c'est un bird. Hein, comme hier. Il en a fait un hier. Il en a fait un super beau, puis des fois, il s'en rend pas compte. C'est vrai. «
Si vous avez la chance une fois dans votre vie de venir ici en Arizona et de jouer de gallery, dites-vous bien que vous en conserverez un précieux souvenir, en fait, aussi précieux que ceux que vous aurez sur votre appareil photo, car dites-vous bien que ça, c'est un ami à avoir durant un séjour ici. Merci de nous avoir suivis encore cette semaine à Golf Mag. Aimez notre page Facebook, suivez-moi sur Twitter et je vous souhaite du bon golf. À très bientôt! Toute l'équipe de Golf Mag a séjourné au Greens at Ventana Canyon. Cet établissement propose des condos tout équipés, parfaits pour les groupes de golfeurs. Situé à proximité de restaurants et d'épiceries, vous y retrouverez plusieurs commodités, telles que piscine et spa, pour des vacances réussies. Golf Mag vous a été présenté par Gendron Golf. Faites voyager votre balle. Par Visit Tucson, ainsi que par le club de golf The Gallery. Daniel Melançon est habillé par Peak Performance. Moi, avec mes garçons, je fais jamais de gallery. Non, on a oublié. On a commencé à parler du snake. Je pense qu'il était rendu au 16e trou. Puis le snake, en gros, c'est celui qui fait trois potes, il ramasse le snake, puis à la fin, il y a une petite gageure au bout de ça. Puis étant donné que le terrain qu'on a joué, tout le monde a eu des trois potes pratiquement tous les trous, bien, la cagnotte, ça serait élevé assez rapidement, je pense. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise pour les snakes. Oh, oui.